c'est reparti pour une autre vidéo, toujours avec Simon. Ouais. On va le lancer maintenant. Alors après la très courte partie sur stuff, j'ai rarement eu autant de stuff dans ma vie. On repart, cette fois-ci, moi je... on re-roll beaucoup, hein. Moi je crame mes deux re-roll. Je crois qu'on a eu 5 re-roll sur moi. Je pense. Moi je re-roll, je me pose sur Oriana. Toi tu récupères Victor, que je voulais pas jouer d'ailleurs. En fait je voulais pas jouer Victor, mais avec ça qui était intéressant. Parce que je crois qu'il y avait rien qui m'intéressait. Il y avait Gnar, mais Staff a pris Gnar. Voilà. Staff il a joué Gnar. On avait une AMF. On a Air Force One. Donc l'armée américaine disponible. Ça. Donc moi dans ma tête dès le début je sais que je le suis pas. J'ai pris Knight parce qu'il a pris Clarté, le Galio. Sinon j'aurais même joué Clarté. J'avais pris la nouvelle rune là, ça pouvait être. Ouais, mais rune, c'est pas celle que je voulais, mais bon. Ah merde. C'est celle que j'ai eue quand même. Ça c'était cadeau. Et on en fait. C'est quoi du coup? On en parle juste après. Juste en termes de compo, là on sent qu'on va avoir beaucoup plus de challenge. Parce qu'en fait dans la compo, bah ils ont pas de tank certes, mais ils ont du range. Il y a Varus, Ezreal, Cassiopée. Cassiopée. Et on verra les autres, mais. Ils ont pas de tank, donc notre force c'est qu'on a un Galio. Voilà, il y a un Lucian. Oui, il y avait Lucian aussi qui te questionne. J'ai pas trop vu qui était le dernier. Alors là, le problème c'est que nous, il nous faut du temps pour acheter, les autres non, mais ils vont aller se battre à 3 contre 5. Ça vaut jamais le coup, hein. Et Kindred, voilà. Donc là, quand on va arriver, là, bah... On peut faire de la race, ou... Mais tu recules la race, mais tu te commites pas. Ouais, là, ils se sont commit. Là, pour moi, on est déjà derrière en game. Moi, je viens... que j'avance trop, eux peuvent plus m'aider, donc moi aussi je suis à leur niveau de gaming, donc j'ai plus de life, heureusement que je suis full popo. Ah ouais, en plus je me souvenais pas qu'il n'y avait pas de portée sur son laser. Oui, t'as essayé de feed. Du coup je galérais, en fait je m'avançais trop pour lancer l'espèce, parfois je lançais pas parce que j'aurais pu être trop. Le Galio, voilà. Vous verrez, avait des mouvements intéressants, il essayait de couvrir, ce qui est rare pour un tank, mais il manquait un peu de métier, dans le sens que si vous preniez une boule de neige, il allait se mettre à côté de vous et taunt direct, au lieu d'éventuellement attendre que le mec arrive et taunt. Donc là, ils y vont, ils ont pas de vie, d'ailleurs t'es dans le tas, donc... d'accord. Ça c'est le flash into mort. En fait, je voulais eux, mais j'ai... Oui. Bah voilà, oui. Ouais, c'est... Il a joué gold un jour, hein, c'est vrai. Oui, j'étais gold. Mais il y a eu de la galère. Bon, là, moi, je me dis, il va falloir que je gère les creeps, c'est pour ça que je monte le deuxième spell en premier, je laisse ma boule. Ezreal, j'ai pas du tout reconnu, je pensais que c'était Kaïssa en fait. Et comme Ezreal, l'un de ses spells a changé il y a quelques mois, mais je jouais déjà plus à League of Legends. Vous voyez, il y a Cassio. Là, bon, on va pas se mettre à cracher, c'était une bonne game. Là, l'équipe réagit pas beaucoup. Pas très bien à l'avancée de Cassio, je trouve. On réussit à avoir un kill. On est donc à 2-3. Cassio est très agressif. Là, je suis là. Oui, t'as beaucoup de vie peut-être, c'est ça de choc. Non, je l'ai mis spell. Bon, au moins il y a l'honnêteté en live, messieurs dames. Il a 5 ans de League of Legends. C'est quoi ce merde? Pire c'est que j'ai joué Victor avant, je me suis dit quand même. Gros Victor, il a dit les gars. Non, je l'ai un peu joué. J'essaie de le jouer support une fois. Alors a priori il faut regarder Staff, il va nous faire des Staff Rim mais version obscure. Là il poke, c'est plutôt bien. Il jouait bien, mais à la fin quand tu as du Staff. Oui, non, il y a 2 ou 3 moves de l'ombre. Mais dans le cœur on était au LCS. Après Galio était un peu... En fait il joue un peu trop solo, c'est pas parfois. Moi il m'a plutôt couvert, ce que je vais lui reprocher, vous verrez de temps en temps, mais... Là on réussit à push, ce qui est plutôt cool, hein, parce que c'est eux qu'on a team carry AD, là on n'a pas de quoi terminer... Ouais, il barrière. Il barrière, on a Cassio, mais faut pas être pressé, on prend les dégâts qu'on a à prendre. Il n'y a que Ezreal qui a du free poke, mais c'est pas si ouf que ça. Lucian il peut pas, faut qu'il vienne. Kindred elle est short, Cassio ça va. Donc, en plus on a éventuellement ta zone pour zoner. Moi j'ai ma boule, à un moment je vais la laisser, là il y a l'huile. Ah oui, si, ça c'est pro gamer ça. Bush for life. Oui, et ça c'est important. Voilà. Et là en fait, il a vu la boule de neige, et en fait normalement au métier, tu commences à taunt quand tu vois le mec partir. Là il taunt avant. Ça marche quand vous voulez envoyer un message à l'autre qui est vient surtout pas. Mais là on aurait voulu que la Cassio vienne. Staff, il oui, tente des choses. Moi je me prends le blink ulti plus flash là. Donc, shutdown. MF ulti, ouais, non, c'est ça. Oui, oui. Et elle oui. Se fait tuer, il me semble. C'est pour ça que je crois que déjà je commençais à cracher. Non, je crois qu'elle prend le kill, mais en fait pourquoi ah, exactement. Pourquoi je suis pas content.
pas dans le combat. C'était le cas un peu avant. Je zoome un peu, j'achève pratiquement un mec avec l'ulti, mais genre c'était cas super. Et un tir ça aurait suffi pour la tuer. Donc là, elle l'ulti tard, bon après ça, ça passe. Veux, mais ils auraient eu plus de vie. Elle le met. Là, vous voyez, je suis déstabilisé, je dois acheter des items. J'ai pas que tu jouais sup. Mais non, pas de vie. Ah non, je me suis merde. Ah, tu pensais que je jouais des PS? Ah ouais, c'est clair. Oh, j'ai on avait assez, jamais hein. Vu Dorian à sup. Ah, je le joue toujours super. Ouais. Non, non. Avec ah, dans le... Ouais, très bien. Son shield est pas si ouf que ça, mais c'est pas ridicule. Toi, je finirai à 3K shield. Donc la game coûte pas beaucoup. Et que je monte le shield dans le deuxième pour le premier. Là, l'idée, c'était de dire que Galio peut faire les engages. Genre, je peux lui mettre la coupe et faire le follow-up. J'ai pas besoin de mettre de dégâts sur le follow-up, t'es là toi. Y a Rengar, et Rengar, y a Gnar, et y a Miss Fortune. Donc je savais que MF allait faire des PS, je pensais que Staff aussi, mais que toi t'allais forcément faire des PS. J'ai préféré rajouter de l'utility et être max CDR. Enfin, en termes de gameplay, assez mal sur toi l'ulti. J'ai eu du mal à le faire. Franchement, je joue bien parti. Le dernier teamfight, je joue bien. Après, Galio est bien avancé, il aurait dû se mettre un peu plus sur la droite parce qu'on ne craint pas sur la gauche. Là il est en arrière. C'est vrai que Galio il a aussi le poke, il a tout Air Force One. Après tu vois il joue. Il est pas mauvais non plus, tu vois, j'ai vu juste des Galio jouer un peu tant qui étaient 15 fois plus mauvais, tu vois, mais. Non, moi j'avais pas gros. Mais il essaye de jouer bien, tu vois, c'est ça qui. Il pourrait jouer en mode full bas vos lèvres ou full derrière, mais il essaye de tanker, il essaye de se mettre devant. Mais il est juste pas là quand il fallait. Donc il y a une boule de neige qui est prise, il y a un joueur. Ah, flash moi. Attends, tu sors. Flash pour sortir, ouais. On sort de l'ulti, puis je le prends, on ramène. Donc j'exhauste le mec. On est d'accord, j'exhauste. Oui, t'avais. Tu veux combien? Ouais, je veux. Voir si mentalement je l'ai bien fait. Parce que j'ai pris un exhaust pour ça. Et je me suis en plus à dire, ouais, ça, j'ai l'exhaust pour pas le crever. Je suis content. Ouais, c'est bien, t'es vivant, on prend le heal. Je meurs 5 secondes après. Ouais, c'est ça, je meurs 5 secondes après. Moi je l'ignite. Bon là, FN est un peu tard, Staff y va. Staff qui chôme, non. Il chôme pas. Dommage, il flash pour essayer de stun. C'est dommage. Je pense qu'on... Après ça s'équilibre et... Ah, peut-être il faut mieux le jouer. Il y a des moments où j'ai pas été assez offensif. Après comme je portais le support dans la tête, j'avais pas besoin. Là il y va, il a pas besoin. Tranquille. Voilà, on la slow. Il peut taunt. Il peut taunt dépasser, il y a l'ulti.
servent à rien. Il y a Air Force One qui arrive, ils sortent au dernier moment, au sens qu'il peut quand même leur dasher dessus. En plus, ils se prennent ton rayon. Ton rayon fait le début. Moi, je mets le shield, je fais courir Galio. Galio se dit, il y va. Moi, je me fais contre-poke par Cassio, mais je dodge. Et le combat se passe de l'autre côté. Donc Cassio passe trop de temps à me zoner moi au lieu de zoner sa frontline. Double taunt, il y a un ulti. Et là, en fait, Ezreal, il est bas. Moi, je l'ulti Cassio, je la ralentis. L'équipe termine. En gros, j'essaie d'aller chercher Lucian. Hein. Voilà. Et au final, je joue spécial aussi. Avec vous. Ménage. Pas défoncé. On a le quadra. Voilà. Et là, tout part du fait qu'ils ont jamais su jouer leur compo. Ils ont jamais su se mettre en arc de cercle à la bonne range pour se passer l'aggro et exploser ouais, le... Ils faisaient gaffe à ce que le staff avait pas la rage. Ouais. Tu pouvais pas aller go et s'ils se mettaient en arc de cercle autour de Galio... Ça va être quoi gérer. Mais bon, là on a su un peu provoquer. Ouais, mais faut qu'on...
Là, faut voir. Peut-être qu'à un moment, vous allez aussi vouloir jouer Gnar à la maison. Et vous allez dire, moi, je lance mon spell pour ralentir. Tout était prévu. Il se ralentit. Voilà, je zone. Et je vais sur la droite. Là, je fais le retour. Voilà. Et en fait, moi, je sers à rien. Parce que là, je prends le kit crucial. Et je vais me prendre la flèche de Varus. J'ai pris le kit Varus. Et la flèche de Varus et l'outil d'Ezreal. Et là, il reste un homme. Ici. Barre de rage. Il sait qu'ici, il peut stun là. Il peut stun là. Il peut tout faire. Plus de vie, plus de vie. Et là, il s'énerve. La rage. Et en fait, elle lui a mis le grand deed. Je pense qu'il avait Q son saut pour stun. Mais bon, admettre le stun n'est pas dans le même dans le bon sens. Il avait, à mon avis, Staff nous expliquera. Il a peut-être essayé de sauter pour stun. Mais elle lui a mis son spell où il peut pas faire de saut. Premier miss. Deuxième. Ah non, je te stun pas. Et là, après, il dit, je saute. Non, elle a dit non, tu arrêtes. Qu'est-ce que tu fais, MVP? Et là, votre joueur de légende se dit que... Crache pas dans le chat en disant... J'essaie de censurer ce qu'il essaie de nous dire. Enfin, j'essaie de ne pas vous le montrer. Il ne mérite pas ça. Donc j'achète le plus longtemps possible pour que ça disparaisse. C'était vraiment de la merde. Mais vous voyez, Simon essaie de lui dire, t'inquiète. On va gagner, mais il veut pas entendre, apparemment. Il est dans le déni. Ils ont même pas le temps de prendre une tour. Voilà, et là, là, on se met... Là, on a la rage. Là, honnêtement, j'ai gagné. La rage. Le flash servait à... Là, Cassio essaie de me zoner. Comme elle me zone, bah forcément... Voilà, exhaust. Hein. Bah oui. À force de me zoner moi et d'ignorer les autres, bah elle se prend le taunt. Nous, on recule pour essayer d'aider derrière. Ta zone de stun, stun les deux. Bon, oui, mais tu tombes pour la gloire. Moi, j'ai double kill. Oui, je vois quand on le supporte, on a un vrai intérêt de tes coéquipiers. Oui, oui, tu vois, je t'ai supporté. Tu remarqueras que je le supporte à la maison. Dit comme ça, mais bon. Donc là, oui, là les mecs, ils ont faim. Tu vois, le staff il veut se venger de Cassio, tu vois, mais il est là, vous auriez pu taper la toile, les mecs. Moi je tape la toile, Galio, Galio et Gnar. Oui, ouais. Oui, mais il y a les noobs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que là, je suis sûr, on fait des... Ah bon, là, il y a un ulti, je sais pas trop pourquoi. Bon, là, c'est la mort. Non, il s'est dit, bon. Là, on s'est dit, on doit fall back. Moi, j'utilise mon ulti. Vous voyez, tout le game plan, là, elle est slow, elle oublie le flash out. Gnar, il va. Non. Oui, non, oui. Il est pas sûr de lui, Gnar. Oh, regardez ce ulti! Oh là 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 là! C'est con, j'étais pas à côté. Oui, tu vois le follow-up de tout ce qui est de qualité. Oh, le Gnar, il est là, le Gnar! Bah, regardez, il s'énerve. Tu mets de la shield, tu mets le... Il veut pas y aller! Il veut pas, il a peur maintenant! Il a peur! MF qui joue agressif, mais elle a raison. En fait, ils sont plus à cette force pour la contrôler. Et là, le Ezreal, il vient chez nous. Vous avez la bas volée, mais mec, franchement. Oui. Moi, je meurs pas à la fin. L'histoire retiendra que nous avons gagné. Je suis pas mort. Staff non plus. Non, c'est une bonne guerre. Ouais, on a fait de bonnes guerres. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était sympa.